Donc voilà, je parlais justement avec d'autres personnes qui avaient le pass Affinity. Et donc ils nous disaient, oui, on leur disait que tout était fermé. Ils étaient venus comme nous à Star Tour en pensant que ça ouvrait à 9h30. On s'est dit, alléluia, peut-être dernier quart, 9h30, on va être les premiers. Et ben non, ça ouvre à 10h. Encore plus loin, non, mais bientôt, ça sera à midi, hein, pourquoi pas. Et justement, c'est ce qu'on disait, mais il est où le moment de magie? Expliquez-moi, la Disney, il est où le moment de magie? C'est plutôt, comme disait le monsieur, le moment de prélèvement en plus. Voilà, je pense que c'est ça. Salut à tous! Eh oui, nous sommes encore une fois au parc à Disneyland Paris pour une nouvelle vidéo. Et donc nous sommes déjà le 11 et le 12 novembre 2021. Et samedi, c'est la saison de Noël. Voilà, donc il y a déjà le sapin qui vient d'être posé. Il y a quelques décorations de Noël comme on peut voir derrière hein, sur les bâtiments. Et donc aujourd'hui, on va aller manger à l'Agrabah Café. Et donc, je vais vous emmener avec moi et vous montrer un petit peu après justement la réouverture donc du parc, enfin rouverture à 100% parce que la bonne surprise ce matin quand on est arrivé, c'est qu'il n'y avait plus de barrière à l'entrée et ça c'est plutôt pas mal. Bon, on a encore le masque, hein, ça viendra peut-être par la suite, mais en tout cas dans les restaurants, les buffets à volonté, ils sont nouveau ouverts hein, parce qu'avant c'était déjà des recettes préfaites, plus aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui c'est plus le cas, donc on peut aller au buffet tranquillement sans aucun problème. Voilà, donc je vais vous mettre quelques petites vidéos, quelques petites décos. Là, regardez, il est juste là. Voilà, le sapin est juste là et on peut retrouver les décos qui arrivent parce que samedi, je sais pas si j'ai déjà dit, mais samedi c'est, attention Jules, il y a la voiture. Samedi, voilà, samedi c'est... la saison de Noël qui commence et la saison Halloween qui finit, voilà. Enfin, qui est déjà finie, je pense, la saison Halloween. Allez, vous amène avec moi, c'est parti. Alors ce matin, on est arrivé dans le brouillard, on voit rien. Regardez le château de l'autre côté, on ne voit rien du tout. Il est perdu dans le brouillard, le château. Alors je vais vous montrer un petit peu les décos, hein. Donc voilà, on est devant le Plaza Garden. On voulait prendre, réserver un petit déjeuner et au final, ça ne se fait plus, en tout cas plus pour l'instant. Ils ont rouvert donc dans les restaurants les buffets à volonté, mais les petits déjeuners, c'est pas encore d'actualité, pas avant début d'année apparemment. Christmas,
Excellent. Ça, c'est pas là. Eh, nickel. Voilà, donc on vient de sortir de l'Agrabah Café. Qu'est-ce que j'en pense de ce restaurant? Alors l'ambiance est vraiment, vraiment sympathique. Maintenant, au niveau du plat, pour moi, les légumes n'étaient pas cuits. Les merguez sont vraiment de très bas de gamme. J'ai vraiment pas aimé les merguez. Les petits cafetés, on voit que c'est industriel, mais ça va, c'est bon. La sauce du couscous, c'est également, c'est pas mal. C'est assez épicé jusqu'il faut, sans plus. Qu'est-ce que j'avais pris également? Les pilons de poulet, ça va, franchement c'était bien cuit, bien épicé, enfin ils étaient bons, et pas de soucis. Mais voilà, le gros point négatif au moins c'est les légumes qui étaient durs. Les légumes étaient complètement durs, ils étaient même pas cuits. Les merguez vraiment pas bonnes. Bon après pour moi ça a été pas une super expérience. C'est voilà, on peut manger un couscous mais c'est pas du haut de gamme bien sûr. Hein. Du côté de ma femme et mes enfants, eux avaient pris tout autre chose. Alors mon fils, lui, dans la tradition, il a pris des pâtes et des merguez. Lui, il les a aimé les merguez. Les pâtes, bon, bah voilà, ça reste des pâtes. Et ma femme et ma fille, eux avaient pris un semblant de kebab. Voilà, c'est comme de la viande à kebab avec des petits oignons rouges, des petits naans. Je sais pas si ça se dit exactement comme ça. Enfin bon, apparemment, ça allait plutôt pas mal. Comme le couscous de la mer, c'est un couscous, une semoule avec des crevettes, des calamars, etc. Ça aussi, c'était bon. Donc voilà, on va dire c'est mitigé. Hein. Moi j'ai pas aimé, eux ont aimé, mais c'est pas non plus le grand restaurant. Pour le prix qu'on paye, je trouve que c'est quand même un peu cher. Maintenant, si je devais lui donner une note entre 1 et 10, je lui mettrais un 4. Moi personnellement, je lui mettrais un 4. Ça dépasse pas la moyenne. Voilà, ça dépasse pas la moyenne. Après, c'est vrai que ce qui était pas mal, c'est les desserts aussi. Les desserts sont bien, hein. Pâtisserie orientale, de toute façon, ça on se trompe pas. C'est toujours plutôt pas mal. Voilà pour ce Agrabah Café.
Je vous tiens. Je déteste. Moi j'ai le vertige, du coup je déteste aller en hauteur.